Non, mais il y a une convergence parce que...
Sorte en voiture, assez quand même. Il faut les enlever, ils vont là de nos enfants. Ah oui, là, c'est bien. Qui fout le bordel? Je viens de la misère, je viens de la galère, je viens de la misère. Attention les ambulances. Entre les hausses de prix, d'impôts et les taxes nouvelles, notre reste à vivre diminue chaque année. Quand on traverse une période de chômage ou de précarité, on ne vit pas mieux, loin de là.
En revanche, les contrôles sont de plus en plus pesants, absurdes, et tout est fait pour nous faire sentir bouc émissaire de toute la société, comme si c'était de notre faute. Et face à ça, que constate-t-on ? Que les inégalités augmentent vertigineusement. Les 10% de Français les plus riches détiennent 47% du patrimoine. Et il y a 1 million de pauvres en plus aujourd'hui qu'en 2000. Que les impôts sont injustes. Les riches payent toujours moins et les pauvres toujours plus. Que l'évasion fiscale représente plus de 80 milliards d'euros par an de manque à gagner et que rien de sérieux n'est fait pour l'empêcher. Que l'argent public est gaspillé. Tandis fastueux des dirigeants, subventions aux multinationales qui suppriment des postes, grands projets inutiles, privatisation. Que les services publics, même rentables, sont progressivement supprimés ou privatisés, autoroutes, aéroports, barrages hydroélectriques, SNCF, maternités, etc. Que le changement climatique a déjà commencé, que nos gouvernements ne font rien contre cette menace majeure et osent ensuite s'en servir comme prétexte pour nous culpabiliser et nous ponctionner encore plus. Que sur tous ces sujets, nous n'avons jamais notre mot à dire, que nous n'avons aucun contrôle sur nos élus, et que lorsqu'on proteste, on nous tape dessus, on nous gaze, on nous mutile. Démocratie, mon œil. De ne pas vous exposer à vous, un col comme le GEM, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Nous, notre métier, c'est de maintenir. Nous, on peut garantir qu'il n'y aura pas de troubles à l'ordre public. Hein. Voilà, on ne vous garantit pas qu'on ne va pas bouger les caméras, c'est fait de famille. Non, c'est pas tout. Maintenant, nous, on n'anime rien, et on se montre gilets jaunes, c'est notre anniversaire, et voilà, si vous voulez essayer, tout va bien se passer. Voilà, comme ça, on ne monte pas dans aucune escalade de rien du tout. On est d'accord. Si on voulait bien commencer à aller vers là-bas au fond, sortir du théâtre de Vinci. Donc je ne l'ai pas laissé finir sa phrase et je lui ai demandé direct qu'est-ce qu'on fait de mal. Trouble à l'ordre public. Non. Bon, donc on peut rester là. Oui, mais vous ne devez pas toucher aux caméras. C'est trop tard, c'est déjà fait. Ce que je vous garantis, c'est qu'on ne va pas les casser, on ne fait rien, on ne dégrade pas. On est là, c'est notre anniversaire et on ne bougera pas. Bon, ben... D'accord.
faire. Oh, mais dites-nous le simplement, on se met sur un trottoir, si quoi. Voilà, vous allez vous mettre, et pas sur un train de l'autoroute, là-bas, au niveau des voitures où il y a le parking. Je veux vous voir uniquement là-bas. Mais vous êtes combien à dire ce qu'on doit faire parmi la gendarmerie? Parce que là, on vient d'avoir un accord, on a fait une entente. Non, pas ici, pas ici. Moi, je ne vous veux pas ici. L'autoroute, elle est... Je ne vous veux pas. Et ben, ouais, donc, c'est moi le responsable. Non, mais je parle de vous, la gendarmerie c'est moi, vous a dit qu'on pouvait voilà. Je suis responsable sur le secteur autoroutier. Eux, ils attendaient qu'on arrive. J'arrive, je vous dis, vous n'avez rien à faire ici. Vous sortez de l'autoroute, vous allez sur le parking là-bas, je ne veux voir personne sur le domaine autoroutier. Voilà. Vous défendez 26. D'accord. Je défends qui vous voulez, je défends le droit. D'accord ? Donc je vous demandais de partir là-bas, sur le parking. Vous distribuez pas ce que vous voulez là-bas, mais vous ne bloquez pas l'autoroute et vous ne laissez pas le passage gratuit. Par contre, maintenant, on a le droit de distribuer. Hein ? Vous faites ce que vous parce que d'autres fois, les gendarmes disent qu'on n'a pas le droit de distribuer. Un coup, on a droit, un coup, on n'a pas le droit. Je vous dis, vous faites ce que vous voulez là-bas. Là, pour l'instant, c'est un travail. On n'entrave pas la circulation. Non, on ne bloque rien. On ne bloque rien, justement. On laisse passer les gens. C'est interdit d'être sur l'autoroute. Ah, mais c'est autre chose. Mais ce n'est pas entrave à la circulation. C'est pas une entrave pour la circulation. Non, mais vous représentez la loi, il faut que vous nous donniez les bons arguments. Vous ne pouvez pas nous dire un coup ça, un coup ça. Vous comprenez ? Vous la connaissez ou pas, la loi, madame ? Est-ce que vous la connaissez ? Moi, je ne suis pas avocat. Non, on non, a des avocats, mais moi je ne suis pas avocat. Ni on est censé ignorer la loi. À partir de ce moment-là, chacun se trouve en infraction. C'est une contravention, ce n'est pas du délit. Il est visible votre RIO, monsieur ? Pardon ? Vous avez un RIO visible ? Vous avez une pièce d'identité, monsieur ? Oui, j'ai une pièce d'identité. Vous la présentez. Pourquoi vous faites des contrôles d'identité ? Pourquoi vous faites un contrôle d'identité là ? Parce que j'ai le droit, vous êtes en infraction. Depuis tout à l'heure, je vous explique que vous êtes en infraction sur le domaine routier, madame. D'accord ? Routier, c'est pareil. Pareil, c'est une route. Non, mais on apprend en discutant. D'accord ? Alors, si vous voulez bien, on va discuter là-bas. Par contre, vous ne pouvez tout faire. Bon, voilà, si on est là-bas, on n'est plus en infraction, d'accord ? Pardon ? Si on est là-bas, on est sur le parking, vous n'êtes pas en infraction. Ouais, ouais. Bon, mais il n'y a pas besoin de faire de contrôle d'identité alors, puisqu'on va être là-bas. Si vous obtempérez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est tout. Bon, on n'a plus le droit de rester ici, il faut aller sur le parking. Mais là où on était, en fait. Là où on était. Bon, vous avez compris ? Là où on était, on était bien. Mais les gendarmes aussi, ils doivent avoir un RIO, non ? Ou je me plante ? Comment ? T'as vu ? Ah oui, de mettre une écharpe, c'est masqué, attention. Infraction. Infraction. Non, mais ils doivent avoir un RIO aussi, normalement. Ils n'ont pas de RIO, n'importe quoi. C'est quoi, c'est ça, mon ah voilà, merci. Bah, il doit être visible. Il doit être visible. Vas-y, filme-les. Ça, c'est comme les gendarmes au bord de la route qui font des PV, il faut qu'ils soient visibles. Ça, c'est les... Maintenant, par contre, vous n'avez rien visible. À faire ici. S'il vous plaît, vous allez sur le parking. Donc, on va sur le parking. Puis après, on va les manger quand même. On reviendra. À nous ! Les hôpitaux, ils sont à qui ? À nous ! Les pompiers ! À nous ! À nous ! Pouvoir au peuple, démocratie, virage. Ça c'est Eric, il y a un qui a eu piqué la bagnole là-bas. Ah putain, bah, alors, on n'est pas assez gonflé. Ouais. Hein en même temps, le mérite. Hein. Chacun fait comme il veut et l'autre infraction c'est de toucher au bien privé public au couleur qui aujourd'hui explose, c'est le jaune canari fluorescent que l'on voit promener, lancer des choses dans les rues, les ronds-points pour bâtiments. Disons la haine, ces gilets de coton, c'est celle laquelle ne veulent plus balancer. Ils se réveillent d'une langue somnolence, ils sont soudés, mandatés, déterminés. La se méfier de craignant que la bête immonde les habite. Mais ils ont fait le ménage, tous ces gueux, ces gaulois joyeux et mérites. Au plus profond de notre civilisation, dans les hautes sphères, les parties timides.
Les foyers fermés, les bourgeoisies, les pions ont remué la merde des pensées candides. La bloquant l'économie, affrontant l'ordre, ces rebelles ont redonné l'espoir. Lorsqu'on croyait fini ce monde en discorde, l'avenir obscurci dans nos armoires. Ou petits cachets bleus ou vidéos toutes noires, garde-manger pouilleux de glyphosate tueur. Amas de produits, consommation illusoire, fit oublier l'amour et le bonheur. Ensemble, disons-le, un grand merci de cette révolte de la dernière chance. Car le monde s'enfonce et s'obscurcit dans nos rengaines bourgeoises rances. Sachons débarrasser nos innocences de ces maîtres stupides et dévoreurs qui accablent notre terre et nos consciences, nous humilient chaque jour de leur hauteur. Du monde civilisé vendu aux psychopathes à crête orange, issus de financiers, autres dégénérés qui manipulent les peuples aux ailes d'ange. Tuons ces parasites, l'ego, les empêcheurs d'être libres et unis, les pollueurs, les bandits et tous les salauds, toutes les mauvaises personnes, âmes pourries, pourries. Là, n'ayons aucun scrupule à parler vrai, à détruire le mensonge, la corruption. Soyons solidaires et satisfaits de cette belle terre d'adoption. Main dans la main, le front relevé, allons ensemble vers un monde meilleur. Référendum populaire pour se protéger des dictatures sournoises de tous les menteurs, menteurs.